Street culture. Street culture. Ici, on est au 23 avenue de Paris à Poitiers. C'est un lieu qui réunit plusieurs associations et collectifs. On a des arts visuels, des arts sonores. Donc, on est vraiment un lieu de création dans lequel tout est possible et où beaucoup de gens se retrouvent. Les voitures qui me croisent ma cam sont complètement hystériques. Même la roumaine devant ma banque me demande plus un centime. Elle me fait des ouais avec un putain de sourire. C'est celui de ma ville. Incroyable. Je fais du rap surtout ici, c'est mon studio principal. Et il y a d'autres studios, mais tout le monde se connaît un peu à Poitiers. Tous les ingé-sons se connaissent, donc je navigue un peu entre chaque studio. Et en fonction des musiques que je veux faire, je vais d'un studio à l'autre. J'ai pas l'ambition de devenir un artiste national. Moi, mon truc, c'est vraiment de faire de la musique pour les gens de ma ville, qui puissent l'écouter. Donc, il y a beaucoup de références à Poitiers dans ma musique. J'essaie de le faire hyper sérieusement pour que les gens ils disent « Ah, putain, il y a un gars qui se bouge à Poitiers, nous aussi, on peut le faire. » Je suis pas le centre du monde, mais celui de ma ville. Je suis pas le centre du monde, mais celui de ta ville. À chaque fois qu'elle pompe ta carotide, pris de panique, tu plantes un pieu dans le thorax de la gâchette, tu cries. Et tombe de ta chaise où tu t'étais endormi, encore une sale nuit. Encore une sale nuit. On est pepperoni, pizza pepperoni. On voit les pepperoni, cherchant des pépés jolis. Tu dépenses des pépés au Ritz, je craque des pépés d'olive. Sors une serpette au risque d'oublier tes promesses faites au livre. Tu rêves d'une nuit. Nous sommes un groupe de rap alternatif de Poitiers. C'est ça. On s'est rencontrés il y a maintenant deux bonnes années par l'intermédiaire Freestyle des familles. Franchement, Poitiers, c'est pas compliqué, ça me rappelle Montmartre dans les années 1900. Il y a un espèce de mélange, melting pot de d'art où plein de groupes se sont fabriqués au 23, tu vois. Il y a eu des groupes de punk, des groupes de hip-hop, des groupes de rock metal. On a plus ou moins les moyens, on a vachement envie de se les donner. Et c'est pour ça qu'on crée des endroits comme ça, et de la musique et du visuel qui nous ressemble. À poil, on a le chien de débrider ton instinct animal. Chicane pas, si on se lâche, on te touchera pile poil. Bouillage de barque, et perce ta soukra, et posta, et ça fait à la sangoura. On fait du hip-hop équestre, donc qui est la partie, la branche rigolarde, sécessionniste et rigolarde du hip-hop. On s'est rencontrés via l'assaut Jobbox au 23 et on s'est mis à faire du son ensemble tout simplement. On balance l'assaut et public, coquillettes, double polet, qualifie, 34 mini. Street culture.